Coucou les potes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On va à LA, Los Angeles. On a failli pas y aller. Adèle, ici présente, hier je voulais faire l'enregistrement de l'embarquement de notre avion forcément et ça passe pas. Je me dis bizarre que ça passe pas. Du coup je teste de m'enregistrer toute seule et ça passe. Je me dis bon. Et là quand je l'enregistrais, elle s'est dit oui on n'arrive pas à faire la liaison avec votre ESTA, nanana, et votre passeport. Je me dis oh non c'est la merde, elle a oublié de faire l'ESTA. Du coup je lui envoie un message, sauf que cette grognasse elle dormait. À 4h du matin. Tu m'envoies un message à 4h du matin. Et oui mais parce qu'on est rentré à quelle heure de chez toi? 2h je crois ouais. Et désolée de vouloir faire l'enregistrement en fait. Non mais c'est pour préciser tu vois. Et du coup 4h du matin je lui envoie un message. Et elle dormait. Très bien. Et je lui dis mais meuf t'as pas fait ton Insta je crois. Enfin moi du coup je galère à dormir, je me dis mais c'est mort, je vais partir toute seule, c'est de la merde. Le lendemain elle se réveille elle et elle commence à paniquer. Moi je dormais un petit peu et je me réveille au bout d'un moment et là je vois qu'elle panique et tout ça, elle arrivait pas à régler son Insta. Et en fait c'est que cette grognasse ne sait pas ce que c'est un numéro de passeport. Elle écrivait ce qu'il y avait en bas. Mais non mais en gros sur un passeport il y a les numéros en bas et plein de numéros et un numéro en haut à droite. Sauf que le numéro en droite, moi à chaque fois je prenais le numéro en bas. Du coup je prenais, il y avait un numéro en trop, enfin bref. Du coup même le site Insta il disait vous avez un Insta mais on n'arrive pas à le retrouver parce qu'elle donnait le mauvais numéro de passeport tu vois. Pendant une heure elle galère et là elle m'envoie et là je capte en fait qu'elle écrivait le truc en bas et pas en haut à droite. Et du coup je dis mais meuf c'est le truc en haut à droite. Bon, bref du coup moi je le trouve instant et après je vais pour faire du coup le nouvel embarquement de Adèle. Ça marche toujours pas. Je me dis mais il y a un problème. Et en fait du coup je me dis je vais quand même vérifier ce qu'elle a mis dans ses renseignements de passeport. Et là je vois que non seulement elle a mis le numéro en trop mais en plus elle s'est trompée. Elle a pas écrit en C, elle a écrit en O au lieu d'en C. Une fois que j'ai corrigé ça on a trouvé et du coup elle peut partir. Mais vraiment je me suis tout imaginé. Je me suis dit mais vas-y je vais me retrouver seule à LA avec mon pied cassé. Genre vraiment c'était la merde et voilà. Donc on va partir. Les gars c'est un peu la merde parce qu'on est en train de voir l'avion. Il est retardé de 20 minutes et on a presque pas de temps pour la correspondance. On a une heure de correspondance et là il est en retard de 20 minutes. 20 minutes donc on aura que 40 minutes pour changer d'avion, sauf qu'on va pas du tout arriver au même endroit quoi. Et en plus toi t'es blessée quoi. Et en plus je suis blessée, je risque pas de courir avec ma botte là. Parce que pour ceux qui savent pas, voilà le bolide. Comment vous dire que ça va être très compliqué. Et du coup, à tout moment on reste à Paris quoi. Non mais on prend le prochain, c'est mort. Mais du coup le prochain c'est peut-être le long. Bah ouais c'est pour ça. Bon on verra, c'est beaucoup trop long. Bon allez, à toutes. Regarde, regardez la dégaine de Juliette. C'est quoi ça? Non mais elle a un pied, c'est un robot, un autre c'est claquette chaussette. Non mais... Comme ça je suis à l'aise dans l'avion. Bon heureusement que t'es à l'aise, il manquerait plus que tu sois plus à l'aise. Non mais regardez cette dégaine, par pitié. Là on se demande pas pourquoi je suis célibe quand. Ah ouais, là c'est sûr. Mais on va rejoindre l'avion du coup, on va partir à Los Angeles. 10h50 le vol. Oh là là. Bah je viens d'apprendre que c'était 11h40, mon pied va mourir, tout simplement. Allez. Bon les gars, je suis handicapée mais ça dessert pas la colle. On est dans une petite voiture en train d'aller au terminal parce qu'il y a 20 minutes de marche ils nous ont dit. Donc j'avoue que là c'était un peu chaud. L'aéroport il est gigantesque et du coup, bah voilà. On est en route pour le terminal. Let's go. Bon, on a récupéré les valises. On avait un peu peur de les perdre. En plus Adèle, elle a tout mis dans sa grosse valise. Mais par contre, on est passé devant tout le monde les gars. Du coup, on a été transporté en voiture grâce à ma chaussure là. Enfin, le fait que j'ai une entorse. Et à la douane, ils nous ont fait passer devant tout le monde. Il y avait la queue de ouf. On est trop contente, surtout Adèle. Ça l'a mis bien. On réalise pas encore qu'on est à Los Angeles. Donc on a été dans le Uber. Dès qu'on va sortir de l'aéroport, on va réaliser. Il est 4h56. On n'arrive pas à dormir avec Adèle. On est en train de commander à manger, il y a petit déjeuner, burger et tout, on va être bien. Ça y est, on a la bouffe. Oh, la dégaine que j'ai, c'est trop. Regardez, elle a mis mes claquettes, tu me jugeais à l'aéroport. Hein. Non mais ils sont trop gentils ici, il est 5h du matin, j'aime trop. Et c'est trop beau dehors, c'est trop trop beau. Et du coup, ouais, il est 5h du matin, ils ont fait quoi? Je sais pas, le mec il est direct livreur, il me dit ça va et tout, pas trop fatigué et tout, je sais pas, ils sont gentils genre. Lui il voulait ses, qu'on appelle ça, ses points, ouais. Les chips. Oh là là. Attends mais c'est big hein. C'est que j'ai trop faim. Ah ça c'est mes burritos. Ah non c'est quoi, c'est les pancakes. Oh, et les pancakes ils sont géants. Bah attends mais c'était pas comme ça sur la photo. Ah ouais non mais. Oh, oh là là l'odeur. Il manque les bananes non sur les elles pancakes. En dessous, je crois. Ah non c'est dedans. Ah oh, en fait c'est un pancake fourré. Oui fourré et normalement il y a des bananes au-dessus. Oh là là, ça va bien manger. Oh là là. Comme des ploucs sur le lit là. Comme des ploucs. Ah je sais pas quelle heure, il est là? Il est 5h49. Voilà, un bon rythme de vie là, ça commence bien. On a commandé chez Denise, regardez, on a commandé exactement ce pancake là, trop mignon, avec des bananes au-dessus, on se dit c'est petit. Regardez ce qu'on reçoit. Non mais sérieux, regardez ma main. Et y a pas, elles sont où les bananes? C'est des crêpes. Où sont les bananes? C'est pas un pancake là. On vient de se lever avec Adèle, ça y est, premier jour à Los Angeles. Vraiment, regardez, c'est pas la belle vie ça. Enfin, let's go.
go, on y est. Genre on avait trop hâte, on est trop contents, on s'est levé un peu tard parce qu'en fait dans la nuit on s'est réveillé et après on s'est endormi et j'ai trop bien dormi après. Mais voilà, on y est et c'est parti, la belle vie commence. Les gars, je viens de rentrer et il y a ça, j'adore la lavande, j'adore le matcha, je pense que je vais faire un crash test. Hein. Oh il est là. Et en vrai il est beau hein. Oh il y a le Ice Lavender Oatmeal Latte à côté aussi qui a l'air trop bon. Ah, je vais goûter trop de trucs. En vrai trop mims, j'aime beaucoup. T'en penses quoi? J'aurais aimé qu'on voit plus la lavande mais bon. Ça a l'air bon, est-ce que bon déjà? Non en vrai non, c'est trop bon le matcha, moi je sais que je vais kiffer. Je vais goûter, non je rigole, j'ai déjà goûté pour TikTok. Je peux faire semblant quand même, ça fait un peu cringe. Mais c'est trop bon, c'est vraiment trop bon. En fait c'est un peu le goût. Ah là ça l'a beaucoup moins. Il y a la lavande au dessus, ça a vraiment le goût un peu du fluffy là, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs marshmallow mais en mode pâteux là. Et le matcha là, je suis en train d'attaquer le matcha, c'est trop bon, j'adore. Alors ça dépasse pas le chai tea je pense, mais c'est ma deuxième nouvelle boisson préférée au Starbucks je pense. Trop bon. Toi t'as aimé ou pas? Bah en fait moi j'aime pas trop le matcha mais là je vais goûter en vrai. Mais je trouve que c'est un peu trop pâteux, genre un peu écœurant, mais le goût il est incroyable mais j'aime pas la matière. Moi je valide les gars, c'est trop bon. Bon, maintenant on va au loco de Team Liquid les gars. C'est spoil, de toute façon ça va sortir après. Oh, il y a la team Apex juste ici. OMG, leak avant-première Adèle, what the fuck. Ils sont en stream donc les gens ils s'en doutent, ils voient, ils doivent voir non? Peut-être qu'ils sont pas en stream, peut-être qu'ils sont avec leur coach. Mais meuf, non, il a mis son pull dessus, peut-être qu'il a mis son pull sur la chaise pour cacher. Attends. Oh, attends, on va leak, faut qu'on rentre. Ils vont dire pourquoi il y a des meufs chez toi? On leak la une. Tu imagines? Non mais bon bref, on fera de toute façon, les gars. On va faire une vidéo avec Adèle. Oui. Moi qui visite les locaux. Elle a déjà fait sur chez une petite présentation des locaux. Ils sont voilà. C'est trop bien. Et moi j'ai jamais visité donc on le fera aussi sur ma chaîne. Mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous voulez voir sa POV à elle. Mais voilà, je suis choc barre, c'est incroyable. Les gars, Juliette elle va faire l'actrice. Parce qu'en fait il y a plein de joueurs Apex dans chez Team Liquid et on en a remarqué un et on pense que c'est lui. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais je crois que derrière c'est les locaux donc elle va sortir comme une débile. Fais genre, tu fais tomber un truc. Vas-y. Et overreact, overreact, overreact de ouf. Mais ça n'a aucun sens, t'es sorti, t'es re-rentré, t'es sorti, t'as jeté un truc, t'es re-rentré. On va les ravager. Bon voilà, tout est set up, je lance le stream, je me sens, je sais pas pour qui je me prends, en direct des locaux Team Liquid à Los Angeles baby. Alors restez pas à me follow sur Twitch si vous ne le faites pas encore, voilà plein de contenu, surtout du gaming, mais on blablate beaucoup et c'est trop cool. Et là on est à Los Angeles donc je vais faire plein de lives, donc si vous voulez suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais ouais ouais, les gars, Adèle s'est fait faire les ongles. Je suis dégoûtée. Montre s'il te plaît. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce carnage. Elle voulait faire les ongles pour Team Liquid, mais c'est horrible. Celui-là ça va, il est moins raté. En vrai celui-là ça va hein. Ça. Tu regardes comme ça, ouais, c'est on dirait Jimmy, on monte dans l'encre. Ouais, on dirait vraiment pas que c'est un cheval quoi. Tu as payé combien? 100 euros. Bon, c'est pas grave, on va encore dépenser notre argent chez Sephora. Bah, j'ai acheté du vernis du coup, j'hésite, soit je prends non, du vernis bleu. Non, mais tu peux pas. Non, mais c'est pas comme ça. Hein. Bah, soit je prends du vernis, je fais tout noir, et ça me va pas trop, mais bon, je pense que ça peut pas être trop moche. Ou soit je fais tout bleu comme ça. Le mieux, c'est que je fasse tout noir, non? Tout noir, parce que sinon tu cacheras pas le noir. Bon, let's go remplacer le maquillage qu'on a cassé ce matin. Ah, mais c'est ça, super. Ça vaut combien? 26$, ça va. Les gars, c'est la Yankee Uchim. Regardez, elle devait. Tu l'as acheté quoi? Un liner. T'as acheté le liner, moi? Ouais, je devais acheter ça. Ok, et c'est quoi le reste? Ah, mais. Oh. Et je vais acheter du vernis aussi, mais ils en ont pas parce qu'il faut que je recouvre cette merde. Et en fait, elle est allée chercher du vernis, regardez ce qu'elle a ramené. Mais il y a plein de trucs. Ouais, mais pas de vernis. Ouais, ils en ont plus. Je suis dégoûtée. Ça coûte combien? Ça va, en vrai, ça coûte 52 au lieu de 154. C'est vraiment Yankee. Moi, j'ai été sage, au moins. Culotté, hein. Ça, il y a trois produits. Ouais, oui, il y a 4 produits, sauf que c'est du Dior. Oui, mais. Du Charlotte Tilbury, ça coûte 70 balles, ça. Non, ça coûte 50. 60. 69. Allez, va dépenser tout ton argent là. De retard avec le stream tout à l'heure chez Team Liquid, j'ai la dalle, il est 17h30 et j'ai toujours pas mangé aujourd'hui, je meurs de faim. Donc arrêt obligatoire dans mon fast food préféré, c'est Shake Shack. Petit Shake Shack, le premier jour forcément parce que j'avais trop hâte. Les viewers qui me connaissent, j'aime trop et je suis trop contente. Alors t'as bien mon cadeau? Elle a eu un cadeau de... Ah, non mais en fait je peux rien montrer avec mes doigts, mes ongles, c'est pas possible. Ils sont magnifiques. Je peux pas en fait, c'est horrible. Sans balles. J'ai envie de mourir. C'est vrai que vraiment... Par contre c'est vraiment petit, moi j'ai quoi juste ça. Ils sont... Ouais, après, attends, super le cadeau quoi. Le problème c'est que c'est ça. Ouais... Mais toi t'es bien toi hein. Mais même lui il est plus gros que le mien. Même ça c'est limite plus gros que ça. Tu vas refoutre. Ok, t'as un masque. Oh ça sent trop bon. Face and neck. Face. Face. Day and night. Quoi, t'as un gant de toilette? C'est pour ça. C'est quoi ça? J'ai envie d'avoir le avant-après de toi, comme ça. Parce que moi, ça, j'ai pris médium. Ok. Je n'ai même pas pris light. Ah ouais, donc tu vas être. Je vais être. Orange. Des petits styles de chouin.
Ça, par contre, ça, j'ai envie de le bouffer, ça. C'est pas à manger, Juliette. Ouais, mais ça a l'air trop bon. Cookies and cream. C'est incroyable. C'est un masque. C'est un truc avec des petits bouts dedans pour râper, là, je sais pas quoi, là. Oh, mais frère, il y a encore un truc. Ah oui, c'est ton... parfum. Ah, mais c'est vraiment un parfum? Ouais, c'est trop bon. Okay. Ah oui, c'est de la brume, ok. Moi, j'ai pris un... Bah, en fait, j'ai pris ce que j'ai cassé et oublié. Donc, un beauty blender, du fond de teint. Le fond de teint qu'on a, on a le même, de toute façon, avec Adèle. Et de la poudre. J'ai pas de choses, bah non. Voilà, j'ai, moi j'ai été... Ouais, mais tu sais que t'as vu, j'ai dépensé presque pas plus. Autant. Ouais, mais moi j'ai... En fait, c'est des trucs... En vrai, ça dure longtemps. Ouais, c'est cher, mais ça dure longtemps. Ça dure hyper longtemps, ça. Donc, crash test de la crème. Ouais, c'est de la crème en vrai. Hein. Oh, j'aime trop. C'est vrai qu'elle sent bon. Bon, on a faim, là. Et Adèle, elle va faire quoi après? Elle va acheter la même cam que moi. Ouais, bah ouais. Elle est trop bien. Et les gars, le... délice. Ça, c'est les meilleurs frites au monde. Désolé les Belges, mais ça, c'est meilleur que vos frites. Voilà, ça, c'est un burger de fou. Et cette boisson, j'ai jamais goûté. Voilà, c'est new. Et elle est encore en train de faire. Elle a tellement de trucs. Elle est en train de tout ouvrir. Son petit cadeau encore. Non, ça, c'est le paquet que t'as acheté. Test en direct. Aïe, aïe. Ah, mais t'as un beauty blender. Ouais. Bref, bon appétit. On est au CVS Pharmacie. Bon, c'est un truc où il y a plein de trucs à acheter. Et elle, elle achète quoi? Du vernis noir. Je suis obligée, faut que je. Avec ton vieux. Non, en fait, dès que je monte un truc, regarde, c'est horrible. On le voit. Et du coup, elle veut le recolorier en noir. Ouais, tout, je fais tout. Pour cover, ouais. Il y a des paillettes, j'aime trop. Non, mais c'est une honte. Dès qu'elle voit des paillettes, ça part quoi. Regardez, ça a l'air beau, non? Elle va rentrer, elle va plus avoir thune, vraiment, c'est sûr. Adèle, tu fais quoi là? C'est très bizarre. En train de lire ce que c'est, je. C'est quoi? C'est de la crème, mais c'est quoi ce tupperware? Regarde même. C'est ce packaging bizarre. Regarde même l'intérieur. En after fait. Party, oui. Non, mais regarde l'intérieur. Non, mais c'est volontaire. Non, mais c'est volontaire, meuf. J'avais vraiment un zizi. Ouais, bah, il est un peu bizarre ce produit. De voir la gueule des gens qui achètent ça. Les gars, c'est un truc de fou. L'eau, regardez le prix, 2,69€. Donc Adèle, là, elle va payer 2,69€ son eau. Et là, on a le coca, 2,89€. Il y a 20 centimes de plus. C'est abusé, hein. Tu m'étonnes qu'ici ils grossissent, frère. Tu dois payer le même prix que du coca, l'eau. Les gens, ils prennent du coca si t'aimes le coca, forcément. Les gars, on a espionné. Hello! Hello, salut toi. Que t'es beau. Oh, salut. Coucou toi. Oh non non, salut. Salut. Oh non, c'est trop mignon. Oh non, il va pas manger, j'ai rien. Je suis désolée mon bébé. Salut. Oh, il m'a touché. T'es beau. Regardez. Oh là là. Il est tout petit. Oh, c'est incroyable. Non mais il est rikiki. Non mais attendez, là on a quelque chose. T'aimes pas? Ah, j'adore. Tu veux pas faire une petite danse? Pour plus de tips? Si, vas-y, en vrai. Je pense que c'est elle comme ça. Pacific Park. Il y a tellement de monde, c'est abusé. Il y a la grande roue derrière, j'avais même pas vu. Ah ouais, il y a des concours. Il y a plus d'une minute déjà. Ah ouais. Ah, il y a le timer en haut. Ouais. Ah, et si tiens, 1h30, il gagne un prix en fait. Oh, mais c'est le truc max. Oh non, il a lâché. Oh, le pauvre. Adèle, je vais te faire un test. Comment on dit écurie en anglais? Écurie? Non. Ok. Je sais pas. Ça se dit squirrel. Ah oui. Vas-y, essaie de le dire. Squirrel. Je suis forte, non? Je l'ai eu, non? Squirrel. Redis. Attends, mais même moi, c'est que je galère à le dire. Squirrel. 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 Ah, y'a des. Comment ça s'appelle? Des goélands qui font des plongeons de fou là-bas, regarde. Ah ouais? Mais oui, ils pêchent, non? Ils pêchent, ouais, ils se nourrissent quoi. On est deux mamies qui attendent. Chez soleil. Le bronzing, la baignade, les vacances. Hop. Ah bah on kiffe, hein? On a le temps, c'est en vacances. On est bien, on est en vacances. Okay, net. Aïe aïe aïe.
gars, Adèle, elle a trop kiffé ma caméra. Du coup, on est là. Je vais voir si je peux en acheter une, parce qu'en vrai, pour vlog, c'est juste trop bien. En vrai, l'iPhone, c'est trop bizarre, parce que la qualité, elle est trop étrange. Ah, mais en fait, le problème, c'est que quand on vlog avec l'iPhone en face cam comme là, tout le bouton. Non, tout mais on ressort, voit même les ports, genre. C'est horrible, non, c'est horrible. Ça, c'est ouais. Discret, c'est incroyable. Parce que moi, le tel, tu vois, je prends ça, je suis comme ça, tu vois. Ouais. Là, tu vois, on voit rien. Les gens, ils voient à peine. Ça, même pas ce que c'est, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout. Ouais. Du coup, voilà. N'hésitez pas, TGI, à me donner un petit partenariat. Je suis influenceuse. Oh là, regarde, DJI, mais c'est vers là. Oh, mais il est exactement là. Attends, j'avais un mec là, je lui demandais. Oh, c'était bon. Comment ça Comment ça, je rigole. T'as le dernier, frère, t'as trop de chance. De ouf. J'aime trop. En fait, j'aime trop les Américains parce qu'ils sont trop expressifs. Ouais. Ouais, parce qu'en gros, là, il y a la meuf qui dit ouais, non, il y en a plus au courant. Et elle vérifie, elle dit non, il y en a encore. Hein. Ouais. Elle était contente pour nous. On est gentil, mais après, on sait que beaucoup ici sont hypocrites dans le sens où il y a les chips et du coup, ils sont très gentils avec les gens pour avoir des chips. Parce que tu vois, tout à l'heure, je disais à Jus, je me baladais dans la rue et genre, j'avais mon bras comme ça et genre, je suis tatouée et il y a une meuf qui passe et qui fait oh, I love your tattoo is so beautiful. La meuf, elle était pas obligée, tu vois, j'étais en mode. Ah, très gentil, merci. Ouais, c'est vrai. C'est cool, ça met de bonne humeur et. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu veux acheter quoi? En gros, je vais acheter une perche à mettre sur la tête. Comment ça hyper con... Mais c'est super lourd, tu vas mettre quoi dessus? Ton téléphone? Parce que regarde, en fait, imagine, on fait du cheval, bah, t'as besoin de tes bras. Du coup, bah, tu fais ça et genre pour le vlog où tu fais un stream. Mais la gueule du truc, ça va faire mais non, ça. Parce que si tu le mets bien sur ta tête, tu vois, les mineurs avec une lampe là. Oui. Bah, c'est pareil. Quand tu te balades, bon, t'auras l'air con. Hein. Mais au moins, genre, les gens, les spectateurs, ils ont une bonne vue. Eh ben putain. Je cherche ça. Vraiment, je rêve. J'espère que ça existe. On peut pas mettre deux harnais, on a des ins, du coup, ben, tu vois, après toi, tu fais 1m20 en plus, ils vont pas voir grand chose, quoi. Mais bon. Moi, ouais, je me casse. Meuf, tu vas me détester. Elle me fait peur, les gars. T'as pris le Uber pour l'hôtel, mais allez, quid, y aller, t'as peur. Sûr, tu veux pas qu'on lâche. Comme ça, on n'y retourne pas. Je la déteste. En vrai, ici, hein, ça suffit. Hein. Faut qu'on passe. Non, mais de toute façon, il y a les trucs USB, on s'en fout, ça suffit. Ça te dérange pas de passer à l'église? Ouais, mais on a les deux trucs USB. Ah ouais, mais on peut pas se lisser les cheveux et tout. Ouais. Ça, je prends le truc. Vas-y, va prendre. Oh, j'ai la flemme de passer à Liquid. Je la déteste! Les gars, il y a un robot livreur. Là, mais attendez. C'est incroyable! Mais comment ça marche? Non, mais je pense qu'il va jusqu'à la personne et la personne va faire un code. Je pense que ça ouvre, non? C'est incroyable! Comme ça, c'est je suis choquée. Il a pas peur de se rebraquer. Tu crois qu'il a des sentiments, le robot? Arrête, le pauvre. Moi, ça me fait trop mal au cœur, genre de petits trucs. Je te jure que pareil. Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment tout mignon. Ouais, ben ouais. Pareil. Trop peur que quelqu'un l'agresse. Ouais, de ouf. Oh, on est des malades. En fait. Thank you so much. Bon les gars, fin du premier vlog ici avec Adèle, on va dormir. Oh, les gars, oui, je pense qu'on va commander à manger dans la chambre et dormir direct. J'espère que le vlog vous a plu, c'est le premier. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires si ça vous plaît. Et on se retrouve du coup semaine prochaine pour le deuxième vlog. Enfin, je sais pas quand. Peut-être dans quelques jours. Prochaine. Mais je voulais poster toutes les semaines, mais je pense que ça va être long pour les vlogs. Ça fait. Mais non, t'as deux semaines à LA et tout se poste tous les trois jours. Merci Adèle de nous faire plus de contenu. Bisous les potes, n'hésitez pas à vous follow, à lâcher un petit pouce bleu. Ah. Bon allez, salut. Ciao.